prueba de sonido, prueba de sonido. Prueba de sonido. Oui, bonjour. Mon nom est Mike Romero et on est là pour un autre quickie. Je sais que ça faisait un petit bout qu'on n'en avait pas eu. Et en fait, c'est pas un quickie à ce que je vous ai habitué. C'est plus un quickie sur exceptionnel, on peut dire. C'est en fait un jeu de PS4. Voilà, j'ai la PS4 que j'utilise pour gamer. Et c'est un jeu que la première partie est sortie sur la PS3. Et c'est en plein le genre de jeu qui me font kiffer. C'est stratégique. Donc, on place ses joueurs dans la map et on essaye de les disperser, de les mener à la victoire, en fait, dans un combat. C'est ce qu'on appelle RPG Tactics, le plus populaire étant Final Fantasy Tactics, évidemment, qui m'a accroché depuis. Je me suis balancé dans les Sudoken Tactics, dans les Disgaea que j'attends. Il y a le 1 qui revient pour la PS4. Voilà, ces jeux-là me font kiffer. Et là, présentement, ils sortent la quatrième partie. Le 2 et 3 se sont retrouvés sur les consoles portables de la PlayStation, que je ne possède pas, malheureusement. Je n'achète que les Game Boy, les Nintendo portables pour les jeux Pokémon. Et je n'investis pas dans les autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sinon, déjà, je manque de temps, imaginez. Nous parlons d'un jeu par Sega. Oui, voilà, les plus anciens se souviendront. Nous parlons de Valkyria Chronicles 4. Mais bon, ne tardons plus. On va passer tout de suite à l'unboxing de Valkyria Chronicles 4, la version premium, qui vient non seulement avec le jeu, mais avec un journal de voyage de Claude à 100 pages avec des artworks et aussi avec une figurine. Voilà, c'est surtout la figurine qui me tendait. Je suis un peu déçu. Voilà, on dit que c'est un tank. J'aurais voulu voir un des personnages. Mais bon, je le prends. Je comprends bien que la guerre a été gagnée à force de tank. Parce que c'est en fait une version fantaisiste de la seconde guerre européenne. Voilà, ça nous ramène à cette époque-là un peu triste. Mais quand même très divertissante. Donc voilà, ça c'est le sleeve, en fait, qui décrit un peu le jeu avec ce que ça requiert comme console. On met ça de côté et on se retrouve avec ça. Une petite boîte, un peu comme une petite valise, avec des collants. Très très belle boîte, en fait. Et, oh, un peu bizarre, elle s'ouvre à l'envers. Mais elle se déploie, en fait. Oh, que c'est beau! Oui, je vous laisse voir un peu. Voyez. Donc, on a le jeu ici, tout en haut. Voilà, tout ce qui est plus banal. Le boîtier même pas métallique. J'ai acheté il n'y a pas longtemps le Shadows of the Tomb Raider. Et le boîtier métallique, j'ai acheté le steel case, bien entendu. Et là, je m'attendais à quelque chose de plus collector que juste le boîtier bleu. Ensuite, il y a un portefeuille avec le code pour télécharger les deux add-ons. Ensuite, on soulève ça, c'est juste du plastique transparent. Et on se retrouve avec la petite figurine. Le tank par Sega, Valkyria Chronicles 4, et voilà, voyez, de toute beauté, waouh,
Ouf, oui, oui, oui. Oh oui, c'est beau. Je regrette presque ce que j'ai dit en voulant un personnage plutôt que le tank. Il y a tellement de détails là-dessus, c'est incroyable. Ah non, j'ai été servi, c'est wow, très très beau. Et ensuite, un autre paquet plastique. Oh, les petites antennes ici, avec un tout petit drapeau blanc. Je l'aurais presque manqué. Vous voyez? Wow! Wow! Génial! Voilà, donc c'est le tank. Le petit journal de bord. It will be done. Il y a du relief ici et là, où est-ce qu'il y a des détails. Voilà, donc c'est ce qu'il y a de la boîte. Il n'y a pas grand chose dedans. Mais c'est ça qui est ça. Moi, personnellement, je m'attendais exactement juste à ça. Mais j'aurais, comme je vous dis, j'aurais préféré peut-être, si plus je le vois, plus je l'aime, un personnage, voilà, ça m'aurait plu. Mais le tank est bon, quand même, très très beau. Et un petit boîtier métallique, un steel case m'aurait plu. Mais sinon, ça c'est la base, voilà. Donc, voilà ce qu'il y avait pour la Premium, l'édition Premium de Valkyria Chronicles 4. Et je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce type de jeu-là, d'une Premium? Dis-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao!